Fais pas ci, fais pas ça. Tiens-toi bien. Mets la main sur la table. Et patati, et patata. Bon, je vous entends derrière la porte, là, hein. Je sais que vous êtes là, hein. Ça fait 3 fois que je passe et vous ouvrez pas. Je vous rappelle que vous me devez encore 800 euros. Plus de 800 euros, même. Si vous croyez que je m'assors dessus. La quatrième, ça sera avec des huissiers, hein. Y'en a marre. Ça sera beaucoup plus simple, hein. Là, on finira par se voir. Regard éducatif sur l'enfance, par exemple il est question de l'âge de raison, de caprice ou de punition, ça on imagine bien que c'est pas les enfants qui ont inventé ces mots-là, et d'autres mots qui expriment plutôt comment les adultes et la société projettent leur peur, leur défaillance ou leur culpabilité sur l'enfance, quitte à même parfois à en faire une pathologie en soi. Donc il est par exemple question d'enfant roi, d'hyperactif, un mot très à la mode. Oiseau, et au lieu de cela, amputé de tes ailes, tu ne quitteras plus jamais le nid, dit la mère à son petit. Au contraire, dit l'oisillon, à force de déception, de désillusion et de rêve à venir, elle s'apprête à se déployer sans l'aide de quiconque et dans un dernier mouvement de grâce, à vous faire tomber pour votre échelle.